Soyez les bienvenus à l'orphelinat Gap Mission. Les mots ne suffiront pas pour exprimer ce que nous ressentons actuellement. Nous n'avons jamais assisté à une telle œuvre ici au sein de l'orphelinat. Les mamans Solibra ont trouvé l'orphelinat dans un état vraiment pas agréable. Et donc, quand je vois Solibra faire ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est la réponse de Dieu à nos prières et nous ne ferons que dire merci. Alors ce programme-là, la première étape, c'était de réhabiliter, remettre les conditions de base. Et dans ce projet, on a intégré des mamans. Pourquoi les mamans? Pour que les dames de Solibra puissent voir ce qui se passe derrière et apporter leur pierre à l'édifice. C'est vrai, on peut mettre en place des lits, tout ce qu'on veut, mais si le comportement n'y est pas, c'est apprendre aux filles à entretenir le matériel qu'on leur met à disposition. Et ça, c'est notre challenge. Et ce challenge-là, on l'a fait accompagné de plusieurs associations. Nous avons la chance d'accompagner le programme de réhabilitation de l'orphelinat GAP de Mondoukou en apportant notre expertise afin que les filles puissent avoir un cadre conventionnel de vie dans lequel elles pourront mieux s'épanouir, mieux apprendre. La petite fille n'a pas eu la chance d'avoir une famille normale. L'orphelinat devient directement sa famille. Et dans cette famille-là, elle a besoin d'être encore plus protégée parce qu'elle est encore plus vulnérable que le petit garçon. Nous leur avons parlé un peu de l'hygiène corporelle, de l'hygiène autour de l'orphelinat. On peut te mettre quelque chose en or, mais si tu ne l'entretiens pas, ça se dégrade, c'est pas bon. Elles ont pris la résolution de nous accompagner en entretenant tout ce qu'on leur mettra à disposition. Ça a été un moment vraiment très intéressant. Je ne suis pas étonné parce que c'est ce que Solibra fait toujours, être là pour les autres. On ne peut dire que merci à Solibra. On va aller voir ce que Solibra a fait. Le moment tant attendu est arrivé, la visite de l'orphelinat. Nous venons de finir la visite et j'avoue que je suis impressionné, agréablement surpris par vraiment tout ce qui a été fait. À l'endroit de Solibra, que dire si ce n'est merci? Merci pour ce gros boulot. Nous voulons dire merci à Solibra parce que nous avons vu que c'est une vraie entreprise citoyenne qui est là pour accompagner vraiment les œuvres sociales. Vous savez, comme moi, il faut un cadre de vie sain pour permettre à les jeunes filles de se développer et devenir des leaders de demain. Nous avons décidé de remettre les parties prioritaires de l'orphelinat en état. On a beau faire tout ça, mais si les filles n'ont pas l'éducation, tout ce qu'on aura fait serait vain. Donc aujourd'hui, on est venu donner des conseils et du coaching aux filles avec les mamans Solibra. C'est une grande joie pour moi de recevoir Solibra au sein de l'orphelinat Gap Mission. À tous les partenaires de Solibra, tous ceux-là même qui ont fait un déplacement depuis Abidjan jusqu'ici pour renouveler l'orphelinat, nous apporter de l'argent aujourd'hui. On vous dit un grand merci. Solibra a fait un boulot costaud. Depuis sa création, je peux le dire, c'est la première structure qui vient faire ce genre d'activité. Nous voulons dire merci. Que Dieu bénisse Solibra.